precisamente el suplemento de ideas, un espacio de análisis, de pensamiento, de debate, por el que pasan muchos pensadores, como el señor Lipovetsky. Y bueno, tengo una vez más el honor de participar en esta iniciativa tan evocadora, tan oportuna y tan necesaria como es la Noche de las Ideas. La verdad es que necesitamos ideas para seguir avanzando y esta noche nos reúne aquí en torno a una idea bien bonita, bien ambiciosa, diría que bien resiliente y casi que diría bien romántica, que es la idea de reconstruir juntos o construir ensemble. Entonces, para intentar dar con las claves de cómo puede y cómo debe ser esa reconstrucción, para reflexionar sobre ella, el Instituto Francés ha convocado pues, aquí a intelectuales, a artistas de mirada lúcida que seguro iluminarán un poco el camino en estos tiempos turbulentos que nos ha tocado vivir. Y nada, esta noche tengo el privilegio y el placer de poder formular unas cuantas preguntas a un intelectual clave de nuestro tiempo, a un hombre que ha diseccionado como pocos la época en que vivimos, un filósofo y un sociólogo que examina desde hace décadas las mutaciones de nuestras sociedades lastradas por el narcisismo y el individualismo, que es uno de los puntos centrales de su pensamiento. A partir de aquí voy a seguir haciendo las preguntas en francés directamente al señor Lipovetsky. Vamos a ver si funciona esta fórmula. Bonsoir, monsieur Lipovetsky. Je vais faire une brève présentation pour tout le monde, d'accord? Gilles Lipovetsky est un philosophe et sociologue français. C'est un observateur et analyste d'une grande finesse, un des intellectuels plus importants depuis presque déjà 40 ans, quand il s'est fait connaître internationalement avec sa première collection d'essais sur l'individualisme contemporain, L'ère du vide, publiée en 1983. Depuis l'ère du vide, il y a eu de nombreux essais de la légèreté, l'empire de l'éphémère, le bonheur paradoxal. Et de cette façon, s'est affirmée une pensée qui critique avec la consommation, l'individualisme, le capitalisme, le luxe, mais pas apocalyptique quand il adresse ces sujets. Et bon, dans ses principaux ouvrages, il analyse la société postmoderne ou hypermoderne, l'hyper-individualisme psychologique, la désertion des valeurs traditionnelles, l'hypermodernité, la culture de masse, l'hédonisme instantané, la culture des loisirs, la culture comme marchandise. Bon, il adresse de nombreux sujets qui sont très intéressants. Dans son dernier essai, Le sacre de l'authenticité, il s'attaque au fétichisme contemporain de l'authenticité. C'est un livre qui n'est pas paru encore en Espagne, qui le fera bientôt, mais qui est paru en France. Alors, on va en parler de l'authenticité plus tard. Mais je voulais commencer par ce qui nous réunit ici ce soir, oui, la nuit des idées. Reconstruire ensemble, d'accord? C'est l'idée qui vertèbre un peu cette soirée de la nuit des idées. Alors, je voudrais savoir, de toutes les reconstructions, de toutes les réconstructions dont nous avons besoin, de toutes les reconstructions dont nous avons besoin, quelle est la plus urgente? Urgente. Merci de vous prêter à cet exercice. Merci à vous d'être nombreux ce soir pour des sujets évidemment qui nous touchent tous au quotidien. La reconstruction qui nous touche de manière la plus ou moins majeure, c'est le défi climatique. Parce que là, c'est le vrai défi du siècle. Je ne suis pas catastrophiste, comme vous le savez. Je n'aime pas les intellectuels apocalyptiques, parce que je crois que c'est une pensée publicitaire. Mais là, il faut écouter les rapports que nous avons maintenant depuis les années 1990, qui ne cessent de nous mettre en garde
contre les périls qui, pour l'instant, sont limités. Mais, comme vous savez, si l'action n'intervient pas, nous nous préparons à, non pas à l'apocalypse, mais à des désastres en chaîne qui conduiraient à l'appauvrissement de millions de gens sur la planète, à des mouvements de migration, et le choc sera trop grand. Donc, nous devons agir. Comme vous le savez, il y a des signes positifs et des signes qui le sont moins. Les signes positifs, c'est qu'il y a quand même, chez les jeunes, il y a une conscience de ces problèmes-là. On voit des mobilisations de jeunes, on voit des entreprises qui se mobilisent pour modifier leur système de production. On voit des manifestations, on voit des conférences internationales, mais en même temps, ces conférences internationales pour le climat montrent qu'on n'est pas au rendez-vous. La dernière, la COP26, est arrivée sur un échec. Nous ne sommes pas en mesure de stopper le réchauffement climatique, comme on le dit, à 1,5 degré. Et après, on ne sait pas où on va. C'est devient périlleux, disons. Donc, je crois que nous devons agir dans ce sens-là. Et quand je dis ça, parce que vous parliez de l'individualisme et toutes ces choses-là, je crois qu'il faut quand même montrer que les mesures qu'il faut prendre pour une reconstruction ne touchent pas seulement les consommateurs, comme on le dit parfois, Greta Thunberg par exemple. Hein. Non, il ne faut pas prendre l'avion, il ne faut pas consommer de la mode, etc. Bon, c'est peut-être bien, mais ce n'est pas à la hauteur des problèmes planétaires. On annonce d'ici 2050-2060, 9,5 millions, peut-être 10 milliards d'individus, qui tous aspirent maintenant au bien-être, au bonheur. Comme vous le savez, maintenant, il y a toujours des milliards de gens qui vivent avec 2 ou 3 dollars par jour. Donc, et dans ce contexte-là, faire l'apologie de la réduction des besoins, de la simplicité des modes de vie, c'est un idéal noble pour les privilégiés, mais pas pour la planète. On ne va pas demander, on voit bien que ça ne peut pas reposer là-dessus pour nourrir, loger, soigner, éduquer des milliards de gens sur la planète. Et là, je ne vois pas d'autre voie que l'investissement dans l'intelligence. Moi, je crois davantage à l'intelligence que dans la morale. Je sais que ce n'est pas dans l'air du temps où on aime bien les croisades morales. Mais les croisades morales, elles sont bonnes, il n'y a pas de problème dans le fond, sauf qu'elles sont complètement idéalistes. Je ne crois pas que ça suffit pour changer les comportements des gens. Alors, demander aux populations de l'Occident de ne plus prendre la voiture, de ne plus prendre l'avion, d'acheter des produits biologiques, etc., c'est très bien. Mais même s'ils faisaient, ça ne suffirait pas. On a fait des études en imaginant une sorte de conversion radicale, quasi monastique, des consommateurs, on réduirait l'empreinte carbone de 20%. C'est beaucoup, c'est nécessaire un peu, mais c'est pas assez. Mais alors, quand vous parlez d'agir, c'est les politiciens qui doivent agir, oui. puisque les citoyens ne sont pas assez, n'ont pas assez de force pour... Tout le monde le sait, c'est les engagements politiques qui sont pas là au rendez-vous. Les Chinois reculent, ils veulent pas réduire leur économie,
ils ont des pressions parce qu'ils ont peur pour leur régime, pour leurs privilèges. Ils ont peur que s'il y avait tout à coup, imaginons une croissance de 2% en Chine, 2% en Chine, c'est des millions, des dizaines de millions de gens au chômage. Et là, le régime chinois, il tient à une sorte de pacte tacite. Disons, bon, les libertés sont muselées, mais vous nous apportez le bien-être croissant. S'il n'y a plus de bien-être, là, on entre dans une équation d'un autre genre. Alors, les dirigeants chinois, mais aussi l'Inde, mais à eux deux, c'est 3 milliards d'individus, bientôt presque. C'est gigantesque, vous voyez. Et ils ne sont pas prêts à freiner les émissions carbone. Alors, et notre moyen de pression sur ces régimes, c'est très faible. On ne va pas déclarer la guerre à la Chine, c'est absurde. Donc, là, on entre dans quelque chose qui échappe un peu à notre contrôle. C'est ce qui explique d'ailleurs que dans mon nation, beaucoup de gens croient absolument dans l'action qu'ils font, parce que ça leur donne un sens. Et c'est vrai que ça donne un sens. Mais le sens, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On va aller à vélo à son travail, mais c'est parfait, c'est très bien. Et en plus, c'est bon pour la santé. C'est très bien de prendre le vélo. Mais pour qui? Si vous habitez à 30 km de votre lieu de travail, c'est pas possible. Mais vous ne pensez pas que c'est une question aussi il y a une partie qui correspond aux politiciens, mais une partie aussi qui correspond aux citoyens à apporter ce qu'ils peuvent faire de leur côté? J'entends pas, oui. Ce que les citoyens peuvent faire, à part les politiques, les citoyens aussi peuvent contribuer à lutter contre ce changement climatique. Vous ne pensez pas que c'est comme ça? Voy a pasar a hacer las preguntas en español porque va a ser más sencillo. Okay. Bueno, estábamos hablando de la reconstrucción y quiénes podían aportar a esa reconstrucción. Están los dirigentes políticos, está la sociedad, que usted está diciendo que es más importante lo que tienen que llevar a cabo los políticos que el esfuerzo que puedan hacer los ciudadanos en cuanto a montar en bici, reducir consumos y demás. Pero en cualquier caso, la reconstrucción que hay en marcha hace frente a una sociedad crecientemente individualista, ¿no? Entonces, la pandemia probablemente lo ha cambiado todo. Y a mí me gustaría saber si usted cree que después de la pandemia caminamos a una sociedad más individualista o al revés, si de ahí puede nacer un sentimiento comunitario que pueda servir para avanzar. Merci de votre question. Juste avant pour venir pour le point, je pense en effet que les acteurs de la construction, c'est les consommateurs, bien sûr, les gens, la société civile, mais il y a les entreprises. Les entreprises peuvent faire des choses. Ils peuvent faire des choses. Et c'est bon pour leur image. Il faut qu'ils prennent en charge leurs responsabilités planétaires. Il y a les acteurs politiques, les États. Et enfin, c'est un acteur majeur, les laboratoires, les chercheurs. Il faut arrêter de diaboliser et de dénoncer les élites. Les élites techniciennes, les chercheurs, les ingénieurs qui trouvent des moyens d'avoir des énergies renouvelables sont essentiels à la reconstruction. Il n'y aura rien sans ça. Bien entendu qu'il faut des idéaux,
Mais s'il n'y a pas ces élites de l'intelligence, nous allons dans le mur. Parce que ça touche des milliards de gens. Voilà, ça c'était pour le point, à mon avis, essentiel. Alors maintenant, sur la pandémie, la crise, je vais vous dire mon sentiment. La crise, la pandémique, ne changera strictement rien, je dis rien, sur la dynamique de l'individualisation. La dynamique de l'individualisation, c'est une dynamique séculaire. Elle commence, si on suit Tocqueville, au XVIe siècle avec le protestantisme, mais c'était très petit, et elle a grandi avec les transformations économiques, avec le marché, avec les révolutions démocratiques et par la consommation de masse à partir du XXe siècle. Cette dynamique-là, elle n'a cessé de croître. La crise de la pandémie, elle a stoppé les mouvements d'autonomie, de mouvement, puisque les gens, on est obligés de rester chez soi, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller dans les bars, on ne peut pas aller manger, on ne peut pas aller au restaurant. Donc il y a indéniablement un frein à la dynamique de l'autonomie des individus, c'est indéniable. Mais en même temps, comme vous le savez, ce frein à l'autonomie ne vient pas spontanément du mouvement des individus. Ils peuvent l'accepter pour des raisons civiques, mais c'est lié à quelque chose d'extérieur à soi qui a une importance essentielle. C'est la sécurité et la santé. Lorsque les citoyens freinent ou acceptent les mesures qui freinent l'autonomie, c'est pas de gaieté de cœur, mais ils disent que la sécurité est plus importante que la liberté d'aller et de venir pendant un certain temps. C'est un peu comme quand on prend l'avion, c'est pas agréable. On est palpé, on est scanné, il faut présenter ses papiers tout le temps. Mais bon, on dit ben, il vaut mieux ça que l'explosion dans un avion. Donc, la dynamique de la modernité, c'est pas que l'émancipation de l'individu. L'émancipation de l'individu est capitale, ce qui mène à l'individualisme, à l'individualisation. Mais c'est pas la seule religion de la modernité. Il y a un autre idéal, c'est que nous voulons vivre en sécurité. Et là, la dynamique de la pandémie, elle a donné un relief extraordinaire à la peur. Alors la peur, elle freine les mouvements d'autonomie. Bon, je n'y vais pas parce que j'ai peur. Voilà. Mais, d'accord, mais quand même, on ne connaît pas de pandémie éternelle. Ça n'existe pas dans l'histoire, même au Moyen-Âge, même avant, les pandémies, celle-là, elle s'arrêtera, elle prendra des formes différentes. Et là, je suis convaincu que la dynamique d'individualisation va se poursuivre à l'identique. Et je pense même qu'elle va l'accentuer. Je vais préciser. Elle va l'accentuer, non pas la faire reculer. Sur quel plan? Sur le plan du travail. Nous avons eu, dans les pays développés, à l'occasion de la crise de la pandémie, comme vous le savez, un essor du travail à domicile, ce qu'on appelle le télétravail, voire même ça a été obligatoire. Et là, un verrou a sauté, parce que le management classique considère encore que les salariés, il faut les contrôler. Il faut être là, il faut savoir s'ils sont là,
s'ils ne travaillent pas. Mais c'est un management archaïque. Je crois que le management de l'avenir doit laisser l'autonomie aux gens. Et on juge après, a posteriori, pas a priori. Parce qu'a priori, c'est purement bureaucratique. Nous voyons que les gens qui sont libres de travailler comme ils veulent, ils ont une efficacité très bonne, très bonne. Il y a de nombreuses analyses qui montrent que laisser l'autonomie aux salariés permet l'accroissement de la productivité de l'entreprise, et non pas le contraire. Alors, par rapport au sujet, évidemment que l'essor du télétravail permet davantage d'autonomie. Parce que vous êtes par exemple, moi je n'aime pas travailler le matin, alors, mais je travaille le soir. Alors, je travaille le soir, je travaille jusqu'à 3h du matin. Et c'est là que je suis efficace. Puis le matin je dors. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire pour l'entreprise? Donc je pense que, deuxième raison, le télétravail fait gagner du temps. Le transport. Quand on est dans des grandes villes, parfois il faut 1 heure de transport par jour, parfois 2 heures pour se rendre à son travail. Mais c'est un gaspillage incroyable de temps. Je crois que l'avenir, ce n'est pas un télétravail absolu, parce qu'il faut que l'entreprise elle crée une unité, un esprit d'entreprise, je le comprends. Mais on peut imaginer des formes de panachage. Donc, je crois que là, la crise va débloquer des verrous qui jusqu'alors l'arrêtaient. Maintenant, quelle sorte de bonne question, est-ce que ça va changer les passions individualistes au bonheur et à la consommation? La réponse est non. À mes yeux, j'ai aucun doute là-dessus. La quête de la consommation comme voie du bonheur, comme une des voies du bonheur, est une dynamique qui s'inscrit dans les transformations des sociétés modernes qui veulent bien vivre maintenant et non plus pour la conquête du paradis. Ça ne veut pas dire que les gens sont athées, mais ils veulent vivre bien maintenant. Avant, non. Avant, la Terre, c'était une vallée de larmes. Et on apprenait à s'adapter à la vallée de larmes. Mais maintenant, on ne veut pas s'adapter à la vallée de larmes. On veut éliminer la vallée de larmes. On veut le bien-être. Où est-ce que vous avez vu qu'il y aurait un recul de la quête du bien-être? Bien sûr que non. Il s'accroît. Il s'accroît. On le voit avec en ce moment avec le problème de l'inflation. Les gens ont peur. C'est le motif principal maintenant. Mais je ne veux pas perdre mon pouvoir d'achat parce que j'ai plus de pouvoir d'achat. Mais je ne peux plus aller au cinéma. Je ne peux plus partir en vacances. C'est l'horreur absolue. Je ne peux plus aller aux Seychelles. Je ne peux plus aller nulle part. Et je ne peux plus aller au restaurant. Parce que tout est devenu plus cher. C'est l'horreur. L'aspiration, elle n'a pas du tout descendu. Elle est restée exactement à l'identique. Et pour des raisons de fond, parce que aujourd'hui, la consommation, c'est ce qui vous permet d'avoir des nouveautés, de vous consoler d'un certain nombre de choses. Alors, ça, c'est sur le plan strictement matériel, mais la dynamique de l'individualisation, elle ne touche pas le consommateur, c'est même pas d'ailleurs le point le plus important. La dynamique de l'autonomie individuelle, c'est ça la définition de l'individualisation. Les gens veulent être maîtres de leur propre vie, être le possesseur de leurs conditions d'existence privée. Mais où est-ce que ça recule? Ça recule nulle part. Pour la vie en famille, les enfants, les femmes qui veulent envoyer le phénomène comme MeToo. Le phénomène comme MeToo, les femmes ne supportent plus ce qui vient briser leur estime d'elles-mêmes. Et elles ont raison. Leur bien-être sur la sphère du travail, par des attaques permanentes de leurs supérieurs. Donc elles dénoncent cela. C'est une quête de bien-être. Pour vivre bien, c'est une forme que prend aujourd'hui la quête de l'individualisme.
Et alors, je vais vite parce que ça pourrait toucher à beaucoup d'aspects, mais en effet, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que les gens maintenant veulent le bonheur, ils veulent être autonomes, ils ont raison, ils ont raison. Mais lorsque cette logique devient extrême, prédomine totalement, ça se fait au détriment des devoirs et des obligations. Parce que on sait très bien d'être autonome, il faut être autonome, il faut avoir plus d'autonomie, mais plus d'autonomie, ça implique aussi des obligations. On ne peut pas avoir que les droits. Les droits, oui, mais à condition que les obligations, c'est-à-dire les contraintes collectives, aient leur place. Et par rapport à la question, votre première question, on le voit bien. On ne peut pas considérer que j'ai droit à tout faire. J'ai pas. On ne peut pas accepter que tout le monde avec des 4x4 pollue l'atmosphère. Il y a une obligation. C'est normal que l'État fasse prévaloir des impératifs collectifs. Alors c'est ça le problème. Comment faire prévaloir des collectifs dans une société emporté par l'individualisation? Alors, dans un de vos derniers, en uno de sus últimos libros, Gustar y emocionar, ensayo sobre la sociedad de la seducción, usted habla de la necesidad que cómo necesitamos vencer las seducciones pobres y sustituirlas por unas más bellas, más ricas, menos estructuradas que esas que caracterizan a la sociedad de consumo. Me gustaría saber de qué tipo de seducciones necesitamos para poder reconstruir juntos, como es la idea de la Noche de las Ideas. Merci de votre question qui est extrêmement intéressante et qui s'adapte bien, je pense, au climat actuel. Toute la société de consommation dans les sociétés libérales a été restructurée par le paradigme de la séduction. Hein, comme je dis souvent en m'amusant, le plus grand séducteur du monde maintenant, c'est plus Don Juan, c'est le capitalisme. Le capitalisme, c'est le capitalisme de consommation, c'est un système de tentation. Vous êtes tenté tout le temps, en lisant le journal, en regardant la télé, en allant au cinéma, les affiches, les pin-ups, tout est là, le packaging, le graphique, tout. Et il faut vendre, il faut séduire les consommateurs. Il faut séduire des milliards de gens sur la planète. Alors que Don Juan, c'était quelques femmes autour de Séville, c'est pas beaucoup. Alors, le problème, c'est que le capitalisme, il ouvre beaucoup le champ de la séduction, mais en même temps, la force du marché fait que, en même temps, tout le monde se met à être séduit par les mêmes choses. Par exemple, on le voit avec les best-sellers. Best-sellers, où les grands succès des blockbusters américains, c'est bon, 10 films américains captent 80% du public. Là, il y a un problème. Il y a un problème, ils ont des qualités, ces blockbusters américains, c'est pas un problème, mais quand même, il y a une production formidable de cinéma dans le monde, mais on ne les voit pas. Ils sont étouffés par la puissance de feu des blockbusters américains. Et c'est ce que j'appelle, il y a un moment, il y a une sorte de séduction qui réduit. Quand on regarde les chiffres, c'est très intéressant, des plateformes musicales. Spotify, 40 millions de titres. 40 millions de titres musicales vous est offert. 40 milliards. 40. Alors, 40 millions, pardon. Vous ne pouvez même pas l'écouter tout au long de votre vie. Il y en a trop. On est d'accord. Et en même temps, quand on regarde l'argent payé par les droits d'auteur, c'est 0,1% de cette masse qui ramasse tout.
Les gagnants ramassent tout, c'est une expression en anglais. Les winners, hein, take all. Ils prennent tout. Et donc, il y a là une sorte de rétrécissement de l'univers de la séduction, un appauvrissement de l'univers de la séduction qui se ramène à de la consommation. La consommation, c'est une séduction. Mais enfin, ce n'est pas la seule. Il y en a d'autres. Et c'est là le problème. Ce que j'ai voulu dire, c'est que nous avons à développer, alors là, c'est en effet les perspectives de reconstruction, et je crois très tôt, à l'école, nous avons à développer chez les enfants le goût d'autre chose que la consommation. C'est la plus haute, c'est l'une des grandes tâches de l'école. L'école démocratique, elle n'a pas uniquement pour fonction d'apprendre à lire, à écrire et à compter. S'il y a un idéal supérieur de l'école démocratique, c'est de permettre aux hommes de développer leur potentiel. Et pas seulement comme producteurs et comme consommateurs. Comme être humain qui a des désirs d'expression. Et de faire des choses qu'il aime, qu'il aime, qu'il aime. Mais quand même, on n'aime pas que acheter des marques. Les marques, c'est bien, c'est pas de problème. Enfin, si on n'aime que des marques, je dis que c'est triste. Il y a même plus ennuyeux que une soirée où on ne parle que de la mode et des marques. C'est épouvantable. Moi, j'ai écrit sur la mode, sur le luxe, sur la consommation. Mais enfin, bon, au bout d'un quart d'heure, ça va. On n'a pas envie de parler tout le temps des marques. C'est insupportable. Alors, là, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que, comme vous le savez, vous donnez des crayons à des enfants, ils dessinent. Tous les enfants adorent dessiner. Tous. Tous. Et puis, à partir d'un certain âge, ça disparaît. Tous les enfants aiment danser, aiment chanter. Et après, on n'ose pas, sauf quand on fait du karaoké. Bon, ben, d'accord, c'est super le karaoké. Bon, surtout je joue au Japon. Mais, alors, je pense que l'école de la République, pour répondre à votre question, doit considérer que l'enseignement artistique, c'est pas une tâche secondaire, c'est pas une mission secondaire, c'est une mission centrale. Une mission centrale pour développer l'être humain, et surtout pour lui permettre de faire des choses dans sa vie qu'il aime. Chanter, faire de la photo, de la vidéo, des tas de choses. Ça ne veut pas dire qu'il va rejeter la consommation. Mais pour faire en sorte que la consommation ne soit pas le nouveau Dieu, que ce ne soit pas un fétichisme. Et je ne vois pas d'autre voie. Parce que sinon, on est enfermé là-dedans. Et je crois que quand je parle d'éducation artistique, c'est de pratique artistique, pas de cours théorique. Théorique, non. Il faut, tout comme la cuisine, si on veut apprendre à faire la cuisine, il faut apprendre à le faire, pas des cours théoriques sur la cuisine. C'est la même chose pour l'art. Et je crois que, on l'a vu par exemple dans avec la crise aujourd'hui, il y a une certaine tristesse de voir que. Je suis très frappé, j'en ai souvent parlé autour de moi. Tout a été. Pendant 2 ans, on parle que de l'épidémie. On parle plus que de ça. Et je dis souvent, mais regardez ça. Il écrit Lettres et le néant en 1945. En 1945, l'existentialisme est lancé de propos métaphysiques. Très compliqué, quand on lit Lettres et le néant, c'est très compliqué si vous voulez. Mais bon, l'interrogation sur l'authenticité, sur la mort, sur la liberté, sur. Bon. Et il y a une sorte de. Aujourd'hui, tout a été mangé par la peur, par la sécurité. Et les gens
ils sont captifs de Netflix parce qu'il ne reste rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Alors, on court ça parce qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas voyager. Il reste quoi ? Ben, si vous n'êtes pas pianiste, si vous n'êtes pas dessinateur, si vous, ben, et vous êtes un consommateur, ils ont raison. C'est pas une critique. Je ne fais pas la critique des consommateurs. Je ne veux pas le faire. C'est trop facile, ça. C'est toujours les autres qui ne sont pas bien. Et nous, on sait, on est toujours mieux. C'est pas vrai. On n'est pas mieux, nous. On n'est pas mieux. Les intellectuels ne sont pas mieux. Mais il faut comprendre que s'ils font ça, c'est qu'on ne les a pas formés. Ça, c'est la responsabilité de la République. C'est la responsabilité de l'école républicaine de donner des outils aux jeunes pour qu'ils aient des outils pour penser le monde, réfléchir la culture, l'art. C'est pas secondaire. Sinon, on ne produit que des consommateurs et des producteurs. Est-ce que c'est ça un idéal démocratique ? Est-ce que c'est ça un idéal humaniste ? Moi, je pense que non. Très bien. No sé si ya creo que tenemos que cerrar aquí. Se me han quedado del orden de 450 preguntas en el tintero. Nos hubiera gustado a todos poder escuchar mucho más largo y tendido al señor Lipovetsky. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Y hasta pronto, y hasta su próximo libro, que aparecerá pronto en España. No sé cómo lo traducirán, el culto a la autenticidad o algo así será. Le sacre de l'authenticité. Espero que podamos volver a hablar de estos temas con usted pronto. Muchas gracias, señor Lipovetsky. Gracias a todos por venir.